Vous savez, la santé n'a pas un prix. Nous allons commencer par là. Et quand nous parlons de sachets, les sachets non biodégradables sont fabriqués à base des résidus d'hydrocarbures. En réalité, prenez un sachet de 5 francs, le sachet noir, que vous achetez neuf, que personne n'a utilisé. Essayez de passer le doigt à l'intérieur du sachet. Vous allez voir un dépôt. Mais je ne puis pas vous dire de quel genre de dépôt il s'agit, de quel genre de déchets il s'agit qui restent souvent à l'intérieur de ces sachets-là. Donc, dire aujourd'hui que ça aura un impact sur l'économie, je vous dis non. Comment? Parce que, j'ai dit tout à l'heure dans l'intervention que si aujourd'hui le Parlement a voté une loi qui sera d'ici là promulguée par la grâce de Dieu, je crois que l'État fera une subvention. Vous comprenez avec moi que les sachets non ordinaires que nous avons l'habitude, que nous avons l'habitude d'utiliser, ça vient du Nigeria à côté, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Un produit qui vient du Ghana ou un produit qui vient du Nigeria à côté et un produit qui quitte la Turquie, vous voyez déjà que le coût de transport, ce n'est pas la même chose. Il y a déjà cet aspect-là qu'il faut relever. Et quand vous prenez un truc comme ça, le taux douane sera forcément élevé. Donc aujourd'hui, ce que nous nous demandons, en collaboration avec le ministère du cadre de vie, ceux-là qui nous épaulent en fait, c'est qu'ils essaient. Ils sont nos intermédiaires entre, ils servent d'intermédiaires entre nous, le Parlement et l'exécutif, pour que aujourd'hui la loi elle est votée, le gouvernement puisse mettre la main à la pâte afin de faciliter la venue dans le pays de ces produits-là. Si le taux de douane est diminué et que nous avons des subventions de part et d'autre, comme je vous l'ai dit, ça là par exemple, nous avons fait une prime promotionnelle, c'est à 5 francs à la consommation finale. C'est à 5 francs comme l'autre sachet ordinaire. Seulement la différence ici, c'est au niveau de la quantité. Parce que vous savez, les autres sachets, celui de 5 francs par exemple, ils prennent la douzaine à 30 francs ou à 35 francs, je crois. La centaine, elle est à 200 ou un peu 175, un truc comme ça. Contrairement à ceci, ici, par exemple, dans l'emballage, il y a 200. Il y a 200 dans cet emballage-là et c'est à 1000 francs. Donc ça, vous voyez, celui qui a l'habitude d'acheter un sachet à 175 et qui doit passer peut-être à 500, il va trouver que c'est cher, normal, à cause de la situation économique de notre pays. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je crois que au fur et à mesure que nous allons évoluer et par l'aide de l'État, les différentes subventions que nous aurons, chacun pourra se retrouver dans ce système-là.